Bonjour, salut à tous et à toutes et bienvenue dans l'École des technologies, une web émission qui vous permet d'avoir des idées précises sur des matériels ou des technologies ou des techniques que vous utilisez, que nous utilisons dans bien d'autres domaines. Et bien aujourd'hui, nous allons vous faire une présentation d'un produit qui sert dans le domaine de l'audio ou de la vidéo, donc dans l'audiovisuel. Et bien c'est un appareil d'enregistrement, c'est ce qu'on appelle un enregistreur numérique. L'école des technologies. L'enregistreur dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien c'est le Tascam. Tascam DR22WL. Alors c'est un enregistreur numérique de chez Tascam, donc qui a une particularité, eh bien c'est que c'est le premier enregistreur numérique à avoir une connectivité Wi-Fi. Ce qui veut dire quoi? Tout simplement que vous pouvez contrôler votre enregistreur numérique, ce Tascam DR22WL, donc à distance, à partir de votre téléphone portable, qu'il soit sur Android ou sur iOS. Du coup, vous voyez un peu la flexibilité dont vous disposez de, par exemple, déposer votre enregistreur sur une table de séance, de réunion ou bien de conférence, et puis vous vous trouvez dans la salle, carrément à distance, et rien qu'avec votre téléphone portable, vous pouvez mettre en marche, régler le volume d'enregistrement, le niveau d'entrée du micro, mettre en marche, arrêter, télécharger le son que vous avez enregistré depuis votre Tascam sur votre Android tout en restant encore sur votre place et à écouter ce que vous avez bien entendu enregistré. C'est un appareil assez formidable. Et bien dans le domaine de l'audiovisuel, il est assez important parce qu'il vous permet de contrecarrer ou bien de trouver une solution. Par exemple, si vous n'avez pas de système HF véritable, de micro-cravate HF tel que les Sennheiser qui coûtent assez cher, c'est une solution de rechange. Donc vous pouvez avoir votre micro-cravate, comme là par exemple mon micro-cravate, il est branché directement sur le Tascam et c'est avec lui que j'enregistre donc cette web émission et toutes les productions que vous allez voir donc dans l'école des technologies. L'école des technologies. Alors c'est une technique qui est assez simple. Il vous suffit simplement après au montage, donc en post-production, de faire ce qu'on appelle la synchronisation, synchroniser donc le son avec la vidéo que vous avez enregistrée. Là, j'enregistre avec une Canon 650D. Il faut que vous sachiez le micro intégré à nos caméras et autres, même de grandes marques, eh bien, sont de très très mauvaise qualité. Alors, surtout les Canon, ils ont ce petit défaut-là d'avoir un bruit interne et la qualité du son n'est pas bon. Ah, donc, il faut donc utiliser un système, c'est ce qu'on appelle le dual system, un système parallèle, où vous pouvez enregistrer l'audio parallèlement à la vidéo et puis ensuite synchroniser, voilà. Donc, c'est un enregistreur numérique qui enregistre en 96 kHz, 24 bits, donc vous pouvez enregistrer en WAV ou en BWF, qui est un format professionnel, mais vous pouvez également enregistrer en MP3, mais ce que je ne fais jamais et que je ne conseille jamais parce que le MP3 et la qualité est déjà dégradée. Il est mieux donc d'enregistrer en WAV, j'enregistre moi particulièrement en 48 kHz 16 bits, ou si vous voulez en 44.1 kHz 16 bits ou 24 bits. Là, vous avez un son qui est beaucoup plus de qualité, surtout le WAV, il conserve vraiment le son. Alors, il est intéressant, il a deux micros qui sont en stéréo, qui sont positionnés en XY, donc ce qui veut dire qu'il capte un son qui est assez sur une ligne assez droite en face de l'enregistreur, le Tascam. Il a un écran qui est assez large, voilà. Et moi, je l'ai acheté chez BH Photo Vidéo aux États-Unis, aux States, et donc mon package, il est arrivé par la poste. Voilà, c'est possible donc de faire ces achats directement à partir de l'étranger et puis de les recevoir. C'est facile, c'est possible, c'est facile. Et bon, simplement, il faut que vous puissiez vous soumettre aux conditions de la douane. J'avoue que ils m'ont saigné un peu quand même. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, tout compte faire, alors c'est un enregistreur qui est assez intéressant, il est assez léger, et puis bon, voilà, il vous permet de faire un travail assez efficace, d'avoir un son, une qualité de son assez intéressante. Ben voilà, chers amis passionnés de technologie et surtout d'audiovisuel, ça c'était un test, une présentation de matériel audiovisuel, hein, parce que c'est un enregistreur qui entre dans le domaine de notre processus de création. Vous avez déjà une preuve, une idée un peu de la qualité du son de cet enregistreur, puisque
eh bien, cette production, elle est enregistrée directement sur le Tascam DR22WL. Donc, c'est déjà une petite preuve de ce que vous pouvez obtenir comme qualité de son. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro et un autre matériel ou une autre technologie à découvrir. Ciao! Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime la page » pour recevoir en exclusivité les prochaines vidéos.